Transformers Earthrise Optimus Prime dans son emballage, dans toute sa splendeur. Clairement, c'est Optimus en Voyager avec une remorque. Donc certains se plaignent un petit peu du prix. D'un autre côté, le design est totalement parfait et c'est exactement le Optimus Prime de 84 en jouet moderne. La boîte se présente comme d'habitude, comme les autres figurines. On a le numéro d'identification WCE11 pour Earthrise 11. Donc on a le artwork, le dessin de Optimus qui représente Optimus qui sort de l'arche qu'on voit juste derrière. Au dos, on voit les fonctionnalités d'Optimus avec la matrice, son fusil, son bouclier et sa remorque qui peut servir de baie de réparation. Et bien sûr, Optimus en mode véhicule et l'artwork de Transformers Earthrise. Optimus en mode véhicule reproduit exactement le mode véhicule camion de l'époque. J'ai un 2,84. On a même le détail, les bandes, le logo Autobot sur le côté de la remorque. Et quelques éléments de design qui étaient présents sur la remorque de 84. On voit sur le côté quelques ports pour accrocher des armes ou des Battle Master. On verra ça plus tard, plus pour le mode robot. Optimus a sa remorque qui peut s'ouvrir, comme ceci. Les Micro Masters peuvent se loger dedans. Il y aura quelques difficultés avec certaines figurines comme Exhaust qui ne rentrent pas du tout dedans, qui est trop large. Par contre, certaines figurines comme Cliffjumper ou Bumblebee pourront parfaitement rentrer dedans. Ce sont donc les Deluxe de petite taille ou les figurines de la classe Legends qui peuvent rentrer dans la remorque d'Optimus. Optimus a un port connecteur qui lui permet de se connecter à Sound Barrier ou Ironworks, Grapple et les autres figurines qui ont un port de connexion. Côté transformation de la remorque, c'est assez simple. On ouvre. Hop. Hop. Et voilà! Le mode Reaper Bay est prêt. Et on a aussi notre petit drone qui est là. Le petit drone était historiquement là sur l'ancienne remorque. On remarquera aussi qu'il y a des petits ports, des trous pour mettre d'autres armes si jamais Optimus doit stocker des armements dans sa remorque. Pour Optimus, on prend notre camion, on va enlever notre arme. Hop, on la déploie. Et on a notre fusil historique. Optimus Prime. On est parti pour transformer Optimus Prime. Et le voilà. Notre héros à tous les fans de Transformers, Earthrise, Optimus Prime. Optimus Prime fait sensiblement la taille d'un Voyager, un leader class, essentiellement à cause de la remorque. L'ensemble fait une représentation parfaite d'Optimus en G1. D'un point de vue robot, donc, il est assez simple à transformer. Il y a beaucoup de panneaux qui se replient entre eux. La main est légèrement articulée. On peut ouvrir les quatre doigts et le pouce reste fixe. Optimus a quelques ports sur le côté pour rajouter des armements, des Battle Masters. Il peut rajouter des armures issues de Ironworks, Cog ou les autres Transformers modulaires. Ici, on lui ajoute Sound Barrier. Sound Barrier est à la fois un bouclier et une arme à feu. Tout comme la version siège Voyager, le visage d'Optimus est très bien dessiné. Le buste rappelle vraiment son design dans Transformers G1 et son arme Ion Blaster lui va parfaitement. Optimus peut attacher également dans son dos son arme qu'il peut ensuite attraper lui-même. Optimus, un autre accessoire iconique, la matrice. Matrix of Leadership, la matrice du commandement en français, qui est stockée dans son buste. La matrice peut s'enlever et se mettre dans la main d'Optimus, mais il ne peut pas la tenir à deux mains comme dans la scène du film. Elle est quand même très détaillée et parfaite pour la taille de la figurine. Côté articulation, comme le Voyager Optimus, on est quand même très bon. Il peut bouger au niveau des chevilles, les genoux, les jambes. On peut mettre des blast effects sur son arme comme sur son corps. On revient sur la Reaper Bay et le module de réparation se sépare et il devient un accessoire qu'on peut attacher avec aussi un port de 5 mm. Et comme toutes les figurines de la gamme ont ce port, on peut attacher le drone au dos d'Optimus. Dernier détail en termes d'accessoires, vous n'avez pas son barrière, pas de problème. L'arrière de la remorque d'Optimus se détache
pour former un bouclier pour Optimus. Bouclier qui lui aussi permet d'avoir des blast effects dessus. Optimus peut également être armé jusqu'aux dents avec les Micromasters et les Battlemasters de la gamme. Comme dit avant aussi, il a des nombreux ports qui lui permettent de se connecter aux nouvelles figurines Modulator qui peuvent se transformer en armes et en armure pour les figurines de Luxe et Voyageur, comme Ironworks. En termes de comparaison de taille, on le retrouve ici avec Starscream en Voyager, donc c'est vraiment à peu près la taille d'un Voyager. On a Wheeljack, une figurine de luxe. On a Rung, un Battlemaster. Et on a un des deux Micromasters de la Hot Rod Patrol de cette année. Donc on voit qu'il reste à peu près de la taille d'un Voyager. Comparatif de taille avec Epface de la gamme Siège, ainsi que Galvatron de la gamme Legends slash Titan Returns. Donc on voit que les Voyagers avant étaient un peu plus grands, mais Optimus est à la taille à peu près d'un Voyager de maintenant. Enfin, comparaison avec tous les leader class de cette année qui sont prévus de sortir en magasin classique, c'est-à-dire qui ne sont pas des exclusivités. Optimus, Astrotrain qui forme la vague 1, et on a Double Dealer qui forme la vague 2, qui peut être à la fois un Autobot et un Decepticon. Dans l'histoire maintenant, c'est un mercenaire, mais donc on a bien nos trois leader class Earthrise dans cette image. Optimus Prime peut même faire la pose du super-héros. En tout cas, il est très très posable, il a beaucoup d'accessoires. Et même si on a déjà vu et revu Optimus plusieurs fois, c'est la mise à jour que les fans attendaient depuis la version classique de 2006-2007. Optimus est une pièce maîtresse de la gamme Earthrise. Une version G1 d'Optimus, mais avec les articulations des figurines génération des dernières années. C'est la fin de cette revue sur le leader class Optimus Prime. C'est une super représentation d'Optimus, donc un must dans la collection. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié ou si jamais vous voulez voir une revue d'une autre figurine de la gamme. Bien sûr, n'hésitez pas de liker ou de vous abonner à la page pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont intéressés par les figurines de la gamme Earthrise, j'ai mis les liens Amazon en description de cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser ces liens, ça vous permettra d'avoir ces figurines sans chercher et en même temps de soutenir cette chaîne qui démarre. À bientôt pour la nouvelle revue!